Photo Antoine Griezmann accusé de racisme, Lou Denis et Lyon, scène de ménage, le défend. L'erreur a beau être humaine, elle ne semble plus permise aujourd'hui. La moindre maladresse peut générer des scandales et ça, Antoine Griezmann l'a que bien compris dimanche. Sur son compte Twitter, le footballeur a posté une photo de lui, déguisé en Harlem Globetrotter et donc, la peau recouverte d'une peinture noire. Un geste qu'il ne reproduira sûrement pas de sitôt. Quelques heures plus tard, inonde Twitter. Antoine Griezmann est traité de raciste car il s'est déguisé en noir. Quel mot les amis, je suis fan des Harlem Globetrotters et de cette belle époque et c'est un hommage. Malgré son explication, l'attaquant de l'Atlético Madrid présente un peu plus tard des excuses publiques et supprime son tweet. Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille, comme Lou Denis et Lyon. L'acteur, très connu pour son rôle de Cédric Acapoussin dans Scène de ménage, n'a pas apprécié l'acharnement dont a été victime Antoine Griezmann. Sur Instagram, le comédien a donc pris la défense du sportif en se grimant en Claude François et donc, en s'éclaircissant la peau. Est-ce que je suis un méchant raciste anti-blanc barre oblique? A-t-il légendé en prenant soin de taguer Antoine Griezmann. Les hashtags qui accompagnent le cliché veulent également tout dire. Dièse qu'à deviante ni importe coq allemand se noue et déguise-toi comme tu veux. Un message qui, on l'espère, calmera le jeu à l'heure où des associations souhaitent faire condamner Antoine Griezmann pour son acte raciste.